كيف 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 ما كان يحكي توا زاد كيف كيف متقدم مرحلة على قبول الدعوة، الكفاءات التونسية الكون يعني فما شكون يمثلنا بامتياز في الدول الخليج العربي، ونعتز بيك خويا ونسمع عليك كان الكلام سمعنا ليك كان الكلام الباهي، وبطبيعة كل الكفاءة التونسية نحاولوا ديما نشجعوها وميم طون نستفيدوا من الخبرات نتاعها. هذاك علاش دون الكادر هذا احنا قررنا يعني وحكينا في الموضوع مع الأخيين وقررنا باش نكلموك دونك ويعطيك الصحة يعني قبل هنا التعب مش نشرف هذا بحد. هنا نشرف عايش خويا دونك فوالا الكلمة ليك سي وليد ونبداو معاك إن شاء الله. وابري بطبيعة سورا لو ديبا يعني دي كيستيون دي دوموند اتسيتيرا و دونك فوالا إن شاء الله عايش. تفضل ميرسي سي بوكو وليد. خويا ثابت سي عبد الباسط، يعطيكم الصحة بدر، نجمو كان نشكروها. وأنا نتشرف تواجدي معاكم أنتوما ومع سيادتنا كيما سي عادل، ونتشرفوا بالتواجد معاكم. نتوكلوا على ربي إن شاء الله. اليوم التام تاع الانترفونسيون تاعنا دونك بورتوغا سور لا بريفونسيون دي بليسور اي لي ستراتيجي دو ريكوبيراسيون. Bien sûr, موضوع qui est toujours d'actualité ou d'actualité surtout Ottawa. Il a été remis sur le tapis par la reprise de la compétition en Europe. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup donc, de blessures les tout premiers matchs les championnats européens. Ou bien sûr, ça reste un sujet d'actualité à la خاطر qui n'a qu'eu à le football de haut niveau, n'a qu'eu à la Barça Flos ou qui n'a qu'eu à la Barça Flos, qu'Allah Barça وقت اللي فما une indisponibilité des stars ou des joueurs qui pèsent à la miséria تاع les équipes elles-mêmes. Donc, dis-moi, femme, le problème, les blessures et l'équipe là, autour du football en général, qu'il soit amateur ou professionnel. Donc, le contenu, Inch'Allah, terne, l'yom, les axes, les principales causes de blessures dans le football. Je ne trouve les stratégies de récupération. L'intervention en terre est Hault Njama Echer Mal Najam Nalka la revue de la littérature scientifique les Muteha. Yani le clé, mais je ne trouve le col. Je vais essayer de corroborer le power chargement, donc les études scientifiques avec les chercheurs et les chercheurs. Donc les principales causes de blessures, quelques statistiques sur 1000 heures de pratique. En moyenne, on a 14,4 blessures. L'exemple du championnat anglais à la Premier League, on a une blessure 1,3 par joueur et par saison. Dans les entraînements, on a 60% des blessures sont musculaires et 40% sont dues aux divers contacts. Ou au cours des matchs, 35% des blessures sont musculaires et 65% sont dues aux divers contacts. Allez, les entraînements, l'actarie, donc le nombre de blessures musculaires, contrairement à les matchs, on n'a pas 65% des blessures qui sont dues au contact, bien sûr, à les duels ou à la rivalité, et ainsi de suite. Les lésions musculaires touchent principalement les ischio-jambiers à 39%, les adducteurs à 25%, les quadriceps à 21% et les mollets à 15%.
Il provoque donc une indisponibilité plus longue de 30% par rapport à la blessure initiale. C'est un chose de la prévention. Donc, où les lésions articulaires, on a 41% des blessures et des lésions articulaires touchent les chevilles, 29% les genoux, 9% la région du bassin, 13% les articulations des membres supérieurs et 8% diverses fractures. Je vais donner un exemple, une étude tirée de la Liga espagnole en 2018, durant la Liga. Qui fait, je n'ai qu'à voir les principales causes de blessures, elles sont diverses ou variées. Un match en haut, le manette à l'arceau, on a qu'à voir les causes et les n'a pas à voir le hajj à l'âge. Dès l'âge de 23 ans, le risque de blessure augmente d'1,8 %. Donc, le mlair, bien à partir de l'amour de la chine, c'est que l'âme est zido. Que l'âme a 1,8% de risque d'avoir des blessures. Bien sûr, nous avons les blessures musculaires. Nous avons les blessures de contact. Elle n'est pas fiche-polo, elle n'est pas maîtrisable. Nous avons bien sûr, les ligaments croisés et les kif-kif, ils sont inclus. Les auto-blessures, et vous, comme l'air de terne, ils y flamment à partir de 23 ans. La composition corporelle, elle est aussi très importante. C'est une archéocomposition corporelle, mesure anthropométrique, taille, pourcentage de masse grasse, structure musculaire, ou le poids, ou la masse corporelle, et vous, malcol, ont des effets directs sur le système articulo-musculaire du joueur. Le niveau technique, c'est très important. Une valeur technique faible est synonyme de coordination, de capacité de coordination faible, ou la capacité de coordination faible, elle induit à plus de blessures. La typologie musculaire, typologie musculaire en polo, longueur, t'as le muscle ou l'état de force, t'as le muscle. Il y a dit, enfin, une étude, ça, en 2015. Partie Mintz, et elle a été revisitée et republiée par Bourne en 2017. Il y a une étude sur les blessures aux ischio-jambiers. Est-ce que enfin, une relation entre la typologie du muscle des ischio-jambiers et le risque de blessure? Donc, l'étude est liée à 152 joueurs de football professionnel. Donc c'est un échantillon représentatif. Je ne vois pas l'étude heavy au niveau de la typologie musculaire. Le cas où elle est, bien sûr, un muscle qui est faible et long, un muscle qui n'est pas fort mais qui est long, anatomiquement long, un muscle qui est faible et court, un muscle qui est fort et long, un muscle qui est fort et court. شنو خرجت ليتود هذه على 152 جور دو فوت بروفيسيونيل قالوا اللي تيبولوجي مسكولير عندها قيمه كبيره puisque 39% des footballeurs اللي عندهم des muscles faibles et courts ils ont 39% de risque donc d'être atteints de blessures ou de lésions au niveau des ischio-jambiers contrairement le muscle qui est fort et long 4%. Qui est fort et court, 14%, ou qui est faible et long, 12%. Donc, ce qui prime, mloul, chnoual, l'aham, cette typologie musculaire, qbal, man choufou, ennou, ikoun, muscle, kwi, wa, el, raif, l'mouhem, la structure anatomique terre. Khatr, qad ma yibda court, qad ma le risque de lésion yekba. Contrairement qui est d'atouil, qui m'en chauffe ou qui est d'un muscle faible, raïf, mochkoui ou touil, 12% de risque de blessure, contrairement qui est d'un fort et court, 14%.
Donc, ce qui prime au départ, c'est l'anatomie du muscle. On va notre lot la force, muscle, force élevée ou la faible. Donc, on a pas qui est fort et long. Donc, c'est la meilleure, le meilleur ratio pour éviter les blessures. Dans l'air, il y a le muscle terre twil, pour qui il y a un ratio très avantageux dans l'air. Le VO2 max, c'est kif kif. Qui est d'affaire un VO2 max faible, surtout inférieur à 59 ml par kilogramme par minute, équivalent à une VMA inférieure à 18,3 km à l'heure, les études ont démontré qu'il y a un grand risque de lésion musculaire. Donc, le Chofnam Bekri, l'importance du déterminant force, Chofnam Bekri fait typologie musculaire ou de l'anatomie musculaire, ou Tawashofna, le paramètre de l'endurance, l'IO Zeda entre en compte ou on doit le prendre en considération, Fimaychos, le risque de lésion musculaire. La fréquence des matchs, Zeda Kif Kif, c'est un paramètre très important et qui est une cause principale des blessures musculaires. Lors des mésocycles compressés, c'est-à-dire un match tous les trois jours, il faut penser à mettre en place une stratégie de récupération adaptée. Et VFM a une étude, Armalha Grégory Dupont, Wartelikan, préparateur physique d'un Celtic Glasgow, en deux années d'affilée, donc les saisons de 2007 à 2009. Donc il a fait une étude sur l'équipe Imperial sur 123 matchs, au chef, les blessures et les cirrhoses sur 1000 heures d'activité physique, sur 1000 heures de pratique, qui inclut bien sûr les entraînements, les matchs amicaux et les matchs officiels. Vous savez qu'il kiffe d'abord les joueurs professionnels, les joueurs internationaux, l'équipe nationale. Il a totalisé tout ça. Le résultat, les Kharjou, donc Dupont et Al, des mésocycles font deux matchs par semaine, le risque, voilà le nombre de blessures sur 1000 heures de pratique est de 25,6 blessures, alors que des mésocycles d'un seul match par semaine, le nombre de blessures est de 4,1. Donc, on chauffe le farc bien deux matchs fait jamais ou bien un seul match fait jamais. Donc 25,6 comparé à 4,1. Donc la différence elle est flagrante. Donc avec Alech, la fréquence des matchs est un facteur déterminant les blessures donc musculaires ou et autres bien sûr. La charge d'entraînement qui est très importante aussi. Une charge mal adaptée et une charge mal contrôlée provoque le surentraînement, provoque la fatigue mentale et peut provoquer donc le désentraînement. Charge d'entraînement, mais de mon point de vue, le plus important qui marque la charge d'entraînement, il y a la variation de la charge d'entraînement. Et ortélite-t-il une variation brusque de la charge d'entraînement? Donc, il y a une étude de Bowen et Al, en 2019. Étude très, très importante. L'objectif donc, de l'étude, Chichouf, ou l'impact de la variation brusque de la charge d'entraînement sur la survenue des blessures musculaire. Donc, là, les variations brutales de la charge d'entraînement sont associées à un risque de blessure 5 à 7 fois plus grand chez des joueurs de football professionnels. Donc, ça, sur 33 joueurs de première ligue, de première division anglaise, on tape les 33 joueurs et donc avec les données GPS durant 3 saisons d'affilée. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé que quand la charge chronique était basse, un ratio aigu chronique supérieur à 2 était associé à un risque de blessure des tissus mous 5 à 7 fois plus grand par rapport au contexte dans lequel ce même ratio était plus bas. Indépendamment de la charge chronique, les augmentations brutales
de la charge de travail était associée à un risque de blessure plus grand. Ce constat était toutefois atténué lorsque la charge chronique était élevée. Dans bas, on a un résumé par l'étude Hébir. Les pics brutaux des accélérations et des décélérations provoquent des blessures musculaires un nombre qui est une nette hausse des blessures ont été constatées. Donc, l'application pratique, l'image de Mustachar Joham, l'étude Hébir, d'une part, il faut confronter les joueurs ternes à la base donc d'une charge élevée, ok, élevée haja, ou c'est une haja ou qu'elle est bichnamlo une variation qu'elle soit élevée ou à la base, quand on va élever la charge ou bien quand on va baisser la charge, il faut que ça soit progressif. Donc élevée haja, nous en avons, ma habit nati comme autre étude sur mes grosses charges d'entraînement à la variation. Donc, il y a des études en 2019. Il faut gérer la charge de manière optimale pour réduire le risque de blessure, sans principalement devoir impliquer d'exposer progressivement les joueurs à des charges élevées, tout en évitant de les exposer brutalement à des charges auxquelles ils ne sont pas préparés. Donc, il y aura le contrôle de la charge lors de la préparation physique générale ou de transition bien préparation physique générale et spécifique ou transition bien préparation physique spécifique et compétitive. Donc, حتى la baisse brutale de la charge, un affûtage brusque, c'est kif, l'étude CV à Warat, et les femmes à un risque de blessure. Le poste de jeu, c'est kif, la revue de la littérature, c'est kif, le poste de jeu, c'est un facteur clé, c'est kif, les blessures musculaires. D'après une étude menée sur la Liga, c'est kif, en 2018, les défenseurs centraux et les attaquants ont contracté plus de blessures musculaires que les autres postes. Donc, on a dit que les milieux de terrain ont accès des blessures dues au contact, mais au niveau de l'auto-blessure, voilà, des blessures musculaires, les défenseurs centraux et les attaquants ont les blessures musculaires accès mais les autres postes. Oui, d'un les défenseurs centraux ou les attaquants, les défenseurs centraux ont eu 15% de lésions aux ischios plus que les attaquants. Les défenseurs centraux ou les attaquants, حسب l'étude, bien sûr, ils sont en Ligue en 2018, ont accès risque d'avoir des blessures musculaires. Ou qui ont les défenseurs centraux ont 15% de plus que les attaquants, surtout au niveau des ischio-jambiers, des lésions au niveau des ischio-jambiers. Le neuvième déterminant est l'historique médical du joueur. Les blessures chroniques, musculaires et ou articulaires sont considérées comme étant un facteur facilitant la rechute ou la re-blessure du joueur. Car elle provoque un éloignement prolongé des terrains et un changement de la structure musculaire, tendineuse et ligamentaire. Il y a une étude très intéressante les blessures chroniques ou l'incidence de terrain ou le risque qui fait le risque avec Aizid. Donc le risque de blessure au membre inférieur est-il augmenté après une première blessure? L'étude par Liam Toway en 2017. Schnee, l'étude est vire. S'être déjà blessé constitue un facteur de risque majeur en ce qui concerne le risque de se blesser à nouveau. Toutefois, la nature et les caractéristiques de ces associations de blessures n'ont jamais été réellement documentées. Donc, l'IAM, en 2017, Charmal, a mené une recherche sur 8 bases de données scientifiques médicales et il a retenu 12 études.
Les résultats trouvés, de manière générale, une blessure au membre inférieur augmente le risque de blessure subséquente. Ou le résultat, les nous déjà nous, une blessure au mollet ou une blessure au quadriceps qui tire, elle augmente le risque de reblessure. Ce risque de reblessure ne se limite pas qu'au site de la blessure initiale. Et des choses Mohamed Barsham va appliquer le protocole de prévention. Les années après la hache, elle est un historique de blessure, notamment au ligament croisé du genou, est associé à une augmentation de plus de deux fois le risque de blessure au disque jambier. À l'inverse, les douleurs chroniques à l'aine ou au niveau du bassin, qui est arché ou à la pubalgie, notamment, ne semblent pas accroître ce risque. Le cas Z à kif-kif, les blessures au dos sont aussi associées à une augmentation des pathologies au niveau des membres inférieurs. La blessure sur le dos Z à kif-kif a une incidence sur les muscles par les membres inférieurs. Ou les blessures des membres inférieurs sont majorées après les commotions cérébrales. Une commotion cérébrale au niveau de la tête, au niveau du cerveau, et dit qu'il y a une incidence majorée à une blessure musculaire des membres inférieurs. Donc, les implications cliniques, la survenue d'une première blessure aux membres inférieurs est fréquemment associée à une augmentation du risque de nouvelles blessures au niveau d'un site anatomiquement différent. Une blessure aux ischio-jambiers, elle peut être la cause d'une blessure mafalane au niveau des quadriceps, soit là, au niveau des mollets. Donc cela doit être pris en compte dans les programmes de prévention. Le niveau de vigilance concernant la prise en compte des signaux d'alerte, donc déjà il a souffert d'une blessure précédente, il signale un par courbature, ou la tarougia, ou la tahaja, même si ce n'est pas au niveau de la même blessure. Les zones anéchvora, par exemple, un choc n'a pas une commotion cérébrale, mais ça peut provoquer une blessure, peut-être à l'origine d'une blessure musculaire. Le dixième paramètre, la nutrition et l'hygiène de vie. Donc, une nutrition inadaptée, une hydratation insuffisante, un manque de sommeil, le tabagisme et l'alcool sont tous considérés donc comme des facteurs facilitant et des facteurs au risque des blessures isidiques. Le jeûne, le CIEM Firmvan, c'était une étude qui a été menée par Oustev Sikerim Chameri en 2012, à la relation entre le jeûne et les blessures musculaires. Donc l'étude est à Sart sur trois mois. Des joueurs donc de football professionnel un mois pendant un mois pendant donc Shahr Ramadan Kamel et un mois après Ramadan ou que le groupe qasmo groupe talbou منهم انهم باش يصوموا قبل رمضان ou le sous-groupe ثاني donc ما يصوموش بطبيعتهم في الفطار. Le deuxième groupe qui se trace en deux sous-groupes, groupe qui fait le jeûne ou groupe qui ne le fait pas. Ou bien, dans 20 ans, pendant un mois, kif, groupe qui est en ou groupe qui est en train de se le cas où il est, dans la période de 20 le risque de blessure au niveau des entraînements, le nombre donc de blessures peut atteindre 5,6. Contrairement, بالنسبة للجروب اللي يترنوا معناتها بعد شقان الفطر يولي يكون 3,2. OK, donc 5,6 quand tu t'entraînes قبل شقان الفطر et 3,2 quand tu t'entraînes بعد شقان الفطر. L'étude Hedialkul, c'est le seul résultat significatif. Donc, la période de l'Iqbal Ramadan ou la période de l'Ibad Ramadan, les gens qui traînent ou qui assignent, ou la lab de matchoué ou qui assignent, qui m'a chauffé au tableau, mais il faut que femme injury during matches, ou l'autre rate of muscle injury during training. Qui ou bien sûr, des blessures musculaires. Ok, la seule valeur significative de l'Iqbal pendant le mois du Ramadan, وقت اللي الملاعبيه يترينيو قبل شقان الفطر، donc
le risque, le nombre de blessures était à 5,6, contrairement au match à Al-Fatr 3,2. Tout le reste des résultats n'a pas été significatif. Le changement brusque de la température kif-kif, la baisse brusque de la température favorise les lésions musculaires. L'arkiou brusque, maintenant, t'entraînes dans un taqs معين, باش تبدا يجي نهار يصير un changement brusque, une baisse brusque de la température. Fais séance d'entraînement هذيك لازم ترد بالك parce que la baisse de la température favorise les lésions musculaires. Et aussi l'augmentation brusque de la température peut modifier la surface de jeu. نجم تبدل الطبيعه تاع الملعب اللي قاعد ترين عليه. ينجم ستانس انت تترين على تيران غازوني مثلا مو. Donc, l'augmentation brusque de la température du chitbad de l'évêque au matière d'adaptation peut provoquer des accidents articulaires. Donc, la baisse de température brusque peut favoriser les lésions musculaires et l'augmentation brusque de la température peut favoriser les accidents articulaires. La surface de jeu, donc une surface très dure ou très molle peut être à l'origine d'une blessure. Les générations 1 et 2 تاع التيران تاعهم القدم اللي نحن قبل كنا نلعبوا عليهم ولا اللي رينين عليهم قبل sont très propices les blessures. Les générations 3 et 4 جدد اللي خرجوا دايور تلقاو عندهم فيهم كي جمعية ولا ليكيب ولا الأكاديمية اللي تشري التيران تاعهم اللي باش تحطوا تيران دو غازون ارتيفيسيال ماذا بيك يكون فيه دونك اللوغو هذايا فيفا ريكومندد افيك دو زيتوال اللي نلقاو في لي جينيراسيون 3 و 4 لي بليسور اللي يصيروا فيهم اي سون ايدونتيك او غازون ناتوريل دونك ما فماش فرق في الجينيراسيون ارتيفيسيال 3 و 4 بالنسبه للغازون ناتوريل ما فماش فرق معناتها بيناتهم او نيفو دو نومبر دو بليسور تو باش نحكيو على لي ميثود بريفونتيف. Donc, primo, awel haja, bach nabdew biha fil programme de prévention terrain. Bien sûr, on intervient dans une équipe, donc dima bach nabdew ahna anna la préparation estivale. Donc, en début de préparation, il faut mettre en place une batterie de tests physiques et anthropométriques, et bien, kol yotrol fil la méthode de prévention. Awel haja, mettre en place une batterie de tests physiques et anthropométriques. En bas, chnouma, les tests li najmou na'amlouhom. On peut faire un test d'équilibre musculaire, idha mawjoud ana Cybex, donc à travers l'isocinétisme, chn chouffou l'équilibre entre les muscles agonistes et antagonistes, chn chouffou est-ce que femme a faiblesse fi muscle mouayen ou elle allait. On peut aussi tester l'équilibre corporel à travers des tests ou des exercices de proprioception. Enti hatta kan mekch bach ta'mel test de proprioception, mais les exercices tiek li bach ta'melhom bach ta'rf à peu près l'état tal l'élève ou tal l'équipe tiek. Tester la souplesse musculaire et articulaire à travers les tests MFS. Et donner aux joueurs un questionnaire médical, je m'y amène le préparateur physique ou elle bien sûr tbib tal l'équipe chekh. Fikra à l'historique des blessures, surtout بالنسبه للجوريت qui ont été récemment recrutés. تلقى كنت يتبدا بريباراتور فيزيك ولا انترينور جاك لاعبي من ايكيب ما تعرفوش ما تعرفش شنو هما لي زونتيسيدون تاعو كان يكور لبرا كان في ايكيب دونك الطبيب ولا الكيني يعطي للاعب هذا ان كيستيونير ميديكال خاطر شفنا الاهميه الهيستوريك تاع لي زونسيان بليسور قديش عندهم امباكت على لا ريبليسور. Ensuite, il faut mettre en place un programme préventif général à l'ensemble du groupe. Donc في الفاز تاع البريباراسيون فيزيك جينيرال تعملهم un programme prophylactique et un programme préventif spécifique aux joueurs à risque. اللي نحن حكينا عليهم que ce soit اللاعب اللي ما عندوش une bonne hygiène de vie ولا اللاعب اللي كي souffre de blessures chroniques, et beaucoup les hommes ont un programme préventif spécifique. Il faut aussi insérer des microcycles de récupération, de régénération et d'affûtage dans les mésocycles tout au long de la saison. Donc, les moyens préventifs, les nous avons mais ils font la phase de la préparation physique, pour nous suivre le groupe tout au long de la saison.
وهذه دايور pour résumer معناتها كلامي هذا الكل فما une étude صارت par Howey et al en 2017 يحكي على planification de la prévention كيما تعمل انت une planification des entraînements physiques تاعك كيما تعمل une planification des entraînements technico-tactiques لازمك زاد كيف كيف تختار une approche de la prévention des blessures. Donc, cinq étapes à retenir. L'étape l'eau, la kémakolna, établir le risque de blessure, un de colmlerbe et un de l'équipe en général. L'étape 2, identifier les mécanismes et les facteurs de risque. L'étape 3, concevoir une batterie de tests et évaluer. Kémakina bovap, donc, c'est juste un résumé, interne. Bien sûr, en bas de l'étape 4, on va implémenter l'entraînement interne, donc les méthodes qu'on va choisir, les microcycles internes. Et enfin, la cinquième étape, retester. À chaque fois où on a la possibilité de faire les retests, comme par l'isocinétisme, par l'équilibre, par le test MFS, et vous m'appelez à tout moment durant la saison, je trouve au moins si la période d'entraînement était suffisante ou elle allait, est-ce que l'efficacité par l'intervention interne à KNTB ou elle allait, et réévaluer donc le risque de blessure. Kinarkiwa la méthode de prévention, Narkiwa la deux types de méthodes, Narkiwa la méthode préventive physique, Narkiwa la méthode préventive stratégique. D'abord, je trouve les méthodes préventives physiques, je ne sais pas les méthodes préventives physiques. Donc, le renforcement musculaire, surtout excentrique, le travail fonctionnel, tout ce qui est gainage, statique, dynamique ou stretching, la proprioception et l'exposition au sprint maximum. L'intensité des sprints le match, une séance de vitesse, donc tu exposes les joueurs au théâtre à des sprints maximaux li huma waqt li bach yaawdouhom fi le match ma yelqawch rwihom ma3ta surpris ou ghadi win tsir les blessures musculaires en général waqt li joueur ma ykounch hadr zehnian ou badaniyan. Donc hadouma les quatre méthodes de prévention physique, donc qolna le renforcement musculaire surtout excentrique, le travail fonctionnel, la proprioception et l'exposition au sprint maximaux. Quel moyen choisir ? شنو باش نختار ؟ خاطر ساعات انت يبدا الوقت نتاعك ضيق ما عندكش برشا وقت انت تحب الوقت نتاعك لونترينور اللي معاك زاد كيف كيف عنده تخافاي تكنيكو تكتيك باش يحطو دونك فما المهم وفما الاهم. هذه دونك اون ايتود صارت ان 2014 بار لورنسن اي ال عملوا اون ايتود سور لي في تاع لي كات مويان هذوما اللي نحنا شفناهم. Bon, mais le moyen fonctionnel, c'est le stretching. Donc, le col nanar pour l'efficacité par le gainage statique ou dynamique. D'ailleurs, ça ne pose pas de problème, on peut le faire à tout moment. Donc, chez vous, il y a un autre moyen, l'objectif terre. Donc, chez vous, stretching, chez vous, le multiple exposure program, l'exposition donc au sprint maximum, chez vous, l'entraînement à base de proprioception, ou chez vous, l'entraînement à base de travail de force, et surtout implémenté par des exercices excentriques. Le cas où le renforcement musculaire à base de travail excentrique réduit le nombre de blessures musculaires de 69%, le travail proprioceptif réduit le risque de blessure de 45%. Le travail d'exposition, voilà, programme d'exposition au sprint maximum, un taquet de 30 séances de vitesse, je trouve la majorité de terrain qui a des sprints maximaux. Donc, elle permet de réduire le risque de blessure musculaire de 38%. Et enfin, le stretching, les akal haja, le kao, les hiya, tnajem. تقي الجوار من الإصابات 4%. دونك انت وقت اللي باش تحط البروغرام تاعك باش تركز على الترافاي دو فورس اكسنتريك ترافاي دو بروبريوسيبسيون وال ترافاي ديكسبوزيسيون دي سبرينت ماكسيمو بي هذايا توا بارابور للمويان اللي نحن باش نختاروا. لكن المويان هذايا وقتاش نستعملوه؟
وقت اللي حتى انا في خدمتي والا كي نحكي مع لي كوليغ الكل لي بريباراتور فيزيك كي نحكيوا على ترافاي اكسنتريك ولا ترافاي ديكسبوزيسيون او سبرينت ديما فما مشكل باش نحطوه في وسط الميكرو سيكل تاعنا خاطر سي ان ترافاي كي بروفوك بوكو دو كورباتور اي كي انكونفورت لو جوور يخلي الجوور في سنساسيون انكونفورتابل وتعرف ملاعب الكره اكثر حاجه يكرهها كيف يحس ساقيه مكبشه كيف يحس روحه ثقيل اي بورتون سي ان مال نيسيسير معناتها لازم يتعدى على الترافاي دو فيتيس لازم يتعدى على الترافاي دو رانفورسمون اكسنتريك سي ان مال نيسيسير تبقى كيفاش وقتاش معناتها النجم ونحن نحطوه بريفنير لي بليسور اكيل مومون دونك بالنسبه للستريتشينغ وبالنسبه للبروبريوسيبسيون وبالنسبه للترافاي فونكسيونيل حتى بالنسبه للسبريت ما فماش مشكل خاطر سي دو لانايروبي على تكتيك دونك يا بيزوان سولمون دو 24 اور دو ريكوبيراسيون دونك في سيونس دو فيتيس تاعك في الميكرو سيكل العادي تاعك اي سوفي دو دوموندي او جوور دو ريبيتي معناتها ان نومبر précis de sprint en respectant la durée de récupération, donc il y aura pas de problème. Par contre, le problème, je n'ai pas oublié, je n'ai pas oublié l'entraînement de force excentrique. Et allez, je crois que mal nécessaire, car à lui seul, le renforcement excentrique permet de prévenir les blessures à 69%. Donc c'est un mal nécessaire, mais il faut choisir le moment de l'implémenter et de l'insérer. Donc, on a une étude, ça, en 2017, ça, par Lovell et Al, planification des exercices de prévention au sein d'un microcycle en football. Je nomme les exercices, les programmes de prévention en cheville. Donc, tout ce qui est travail excentrique, donc le Nording Hamstring sur bossu, 4 à 5 répétitions, un relevé du bassin au sol sur une seule jambe, 4 à 5 répétitions par jambe, ou finalement le balancement de la poulie, tu inclines le tronc avec un kettlebell de 6 kg. Donc, c'est du travail excentrique. J'ai le programme EV sur 18 joueurs semi-professionnels de football au tapant durant 3 microcycles de 7 jours en période de compétition. Donc, il y a des problèmes qui font que tu n'as pas le tabac et tu implémentes le microcycle théâtre ou travailles à jouer le théâtre du travail excentrique, il y a donc des courbatures. Qu'est-ce que nous avons en trois groupes? Un groupe, le programme est à M plus 1, un jour après le match. Okay. Situation 2, un jour à M plus 3. C'est-à-dire 3 jours après le match et 72 heures avant le match G. Hato donc fait le microcycle. Ou situation 3, bien sûr, c'est le groupe contrôle, mais nous avons un programme de prévention. Chnou al-Kao. Le Kao, elle est réalisée la séance de prévention à M plus 1. Il va trotter le programme de prévention à base excentrique, Nhar Bad le match. A engendré un maintien de la concentration sanguine en CPK liée à la créatine kinase à une valeur élevée à M plus 2. En tant que nous avons J plus 1, voilà, M plus 1, mais le match est vert, les marqueurs de fatigue liés à la créatine kinase sont élevés ou tous l'élévation terre jusqu'à M plus 2. En tant que nous avons 48 heures ou à Mazerichas. Lorsque le circuit de prévention était réalisé à M plus 3, c'était le tap fait au cycle, à 72 heures avant le match. Le taux de CPK était plus élevé à M plus 4 et M plus 5. En tant qu'irvé ou le programme est 3 jours avant le match ou en même temps 3 jours avant le match fini, le cas où l'inconfort entre les habits est abro jusqu'à la veille de match. Donc, l'inconfort réveillé ou des courbatures. Les courbatures aux ischio-jambiers et aux quadriceps n'étaient pas plus intenses que dans la situation contrôle lorsque la séance de prévention était réalisée en M plus 1. En revanche, celle-ci était plus élevée à M plus 4 et M plus 5 lorsque le travail de prévention était programmé en M plus 3. Donc, le cas où il y a le habib chez Had, des jambes à terre jusqu'à la veille de match, où on a les courbatures. On a les inconfort. Donc, la conclusion. Placer la séance de renforcement musculaire en milieu du microcycle qui m'a chauffé l'étude à M plus 3 engendre une augmentation des courbatures
دونك تقلق برشا الملاعبي engendre une augmentation des courbatures et des marqueurs des dommages musculaires, les CPK, qui persistent jusqu'à la veille du match. Pour cette raison, il semble préférable de programmer ce type de travail plus tôt durant le microcycle afin de ne pas compromettre l'état de forme des joueurs lors du deuxième match de la semaine. Donc, la période, voilà, le jour le plus propice باش نجم تعمل انت البروغرام تاعك هذا اللي انت ماكش مستحق تعملو شاك سومين تنجم تعملو اون فوا توت لي دو سمين ماذا بيك تبعدو اكثر من 72 اور من الماتش دونك ا ان بلس 2 فوار ا ان بلس 1 معناتها ان جور ولا دو جور احسن حاجه هي 48 اور ابخي لو ماتش اي 96 اور 96 ساعه قبل الماتش الجاي وكيما قلنا سي ان مال نيسيسير على خاطر il permet d'éviter à 69% le risque de blessure musculaire. نزيدو نتعمقوا اكثر شفنا كل موين شوازير شفنا الترافاي دونك دو بروبريسيبسيون تري امبورطون اما فماش مشكل في حطانو شفنا لي ترافاي فونكسيونيل كيف كيف مهم وما فماش مشكله في حطانو شفنا زاد كيف كيف لو ترافاي دو سبرينت مهم وما فماش مشكله زاد كيف كيف ديما تقعد لنا المشكله تاع الفورس كي اخترنا توا جور اخترنا مثلا ان ام بلس 2 و ام موان 5 من الماتش جي دونك وقت اللي عندك لا بوسيبيليتي باش تعملو تعملو اذا ما عندكش لا بوسيبيليتي دونك عندك ان ميزوسيكل ولا ميكروسيكل شارجي tu n'es pas obligé donc tu ne peux pas déjà le faire نزيدو نتعمقو اكثر اخترنا نهار مي ا كيل مومون اكزاكتومون avant l'entraînement ولا après l'entraînement Donc, Zeda Kif Kif, l'étude est réalisée en 2017 sur 35 joueurs de football amateur distribués en trois groupes. Dans ma groupe AMLO, le travail excentrique réveille à Nordic Hamstring au niveau des ischio-jambiers, travail nordique au niveau des ischio-jambiers. AMLO, avant l'entraînement, dans ma groupe contrôle qui n'a réalisé que des exercices de gainage, ma match travail excentrique. Ou dans ma, hein, le troisième groupe AMLO, après l'entraînement. Donc, بعد ما تكمل la séance d'entraînement théâtre, تعمل الترافاي اكسنتريك والا تعملو قبل لونترينمون في الصاله قبل ما تدخل تبدا يبدا اللاعب يترين افيك لو جروب شنو لقاو لي ريزولتا سور 12 سيمين بيان سور تبعوا عملوا البروغرام هذا سور 12 سيمين لقاو اللي او نيفو دو كوبل ماكسيمال دونك ستادير لو كوبل ماكسيمال دو لا فورس اكسبريمي لور دي فليكسيون اكسنتريك دو جينو لقاو اللي اذا كان انت تعمل البروغرام هذايا قبل l'entraînement. خاطر هو c'est un programme de prévention mais aussi باش يعطيك des gains au niveau de la force. خاطر c'est un travail de force هو في الاخر. Donc لقاو avant l'entraînement après 12 semaines, لقاو une augmentation de 11,9% du couple maximal ou après l'entraînement, اذا يعملوه بعد l'entraînement donc sur état de fatigue لقاو 11,6%. Donc pratiquement il n'y a pas de différence. بل ولا بعد par rapport à l'épaisseur du muscle du biceps fémoris. Donc, à l'hypertrophie. Le cas elle est avant l'entraînement, ma femme est, ou l'axe, ma femme est, hâte amélioration, ou hâte l'épaisseur du muscle norsot, ou après l'entraînement, le cas elle est, femme une amélioration de 0,17 cm au niveau de l'épaisseur du muscle. L'angle de pénation, taf l'angle de pénation, ou l'angle de mouvement des fibres musculaires par rapport à l'axe tendineux, par rapport à tendon. Quand ma yib de l'angle de pénation au sein du muscle kbir, quand ma le gain de force zid, ou quand ma la répercussion de la force à tendon tkounzrir, avec un chmanet à angle de pénation. Donc, yamlou après l'entraînement, une amélioration de l'angle d'1,03 degré ou qui t'amène avant l'entraînement une diminution de l'angle d'1,47 degré donc quand ma langue yonqos quand ma l'mlaabi bchi hiss ou j'ai affaire tendentaire ou au niveau du longueur des fascicules musculaires il va avant l'entraînement une amélioration de 1,58 cm ou après l'entraînement moins 0,29 cm. Donc, il m'a choufou. Les gains de force similaires ont été constatés dans les deux groupes de
prévention indépendamment du programme il a tamal avant ou après. Néanmoins, les résultats suggèrent que les adaptations architecturales, donc longueur des fascicules, angle de pénation, épaisseur des muscles du biceps fémoris engendrés pourraient différer en fonction du timing de ces séances de renforcement. Donc, l'objectif de l'action est l'entraînement ou après l'entraînement. L'objectif principal est la prévention des blessures. Je me dis un autre sous-objectif. Il va la longueur des fascicules ou l'augmentation de la force. Donc, je me dis avant ou après l'entraînement. Donc, je vais vous parler d'une notion, mais on a fait les moyens de prévention. Qui nous parle de la prévention des blessures musculaires, on a la notion d'échauffement. Mais on a l'importance de l'échauffement, ou qui fait chez Tarmel l'échauffement, comment il est structuré, ou qui a l'importance de faire. Mais on a des notions qu'on doit prendre en compte, et il y a la notion de post-échauffement et de ré-échauffement. Allez, Kim Hedia, donc une étude menée par Silva et Al en 2018, qui a l'effet des stratégies d'échauffement, de post-échauffement et de ré-échauffement. Échauffement et post-échauffement. On a les stratégies d'échauffement proprement structurées. Mais, une phase de récupération, après l'échauffement, on va entrer dans le vestiaire. لازمنا نقرأ وحسابنا اللي إذا لفاز دلاتانس ولا الفاز داتانت تعلم لعبي لفاز دين اكتيفيتي تعلم لعبي في الفستير قبل بعد ما كمل الاشوفمان تاعه وقبل ما يدخل للماتش إذا الديوغي هذيك تفوت 15 مينوت تصير فما اون ديمينوسيون دو لفورس اون ديمينوسيون دو لإكسبلوزيفيتي اي ان ريسك دو بليسور. Donc, il faut mettre en place une stratégie de post-échauffement. Donc, les études scientifiques tendent à recommander un échauffement actif court, associé à une augmentation progressive de l'intensité et le port de vêtements chauffants après l'échauffement pour maintenir la température musculaire. Donc, ينجم يكونوا حتى شوالق حتى حاجة كمادات احنا نقولونها معناتها يبدأوا صغار الملاعب يحطهم au niveau des jambes باش التمبيراتور تاع لي مسكل بتاعو ما تطيحش pendant 10 ولا 15 minutes اللي هو باش يبدا قاعد فيهم في الفستير بتاعو. Donc il y a la notion de post-échauffement. إذا البريود تفوت 15 minutes تاع inactivité لازم الملاعب يحاول يحط donc les bandelettes chauffantes على ساقيه باش pour maintenir la température musculaire. كيف نحكيو على الري-échauffement. وقت اللي باش يرجع الملاعب وفات ال 15 مينوت نتاعو ما نجمش يحط لي بوندليت شوفونت كي باش يدخل من بعد هو للماتش يلفو 2 مينوت دو ري اشوفمون اكتيف انتيغران دي سبرينت كور اي دي سو لور دي بيريود داري ديباسون لي 15 مينوت. دونك وقت اللي يدخلو باش نطلبو من جوريت نتاعنا بوندون 2 مينوت بيان سور يكونو ديريجي مع البريباراتور فيزيك باش يعملو كيلكو سبرينت كيلكو شونجمون دو ديريكسيون قبل ما يبدا الماتش والا اذا تصير اون بليسور ويقعد برشا مشكله وفما امبولونس بلو دو 15 مينوت زاد كيف كيف جوريت ميزمون شير بيان سور او نيفو دو ري اشوفمون ا لا ميتون il faut combiner le port de vêtements chauffants les bandelettes et donc comme le camédet اللي حكينا عليهم et avoir une stratégie de ré échauffement active avec des efforts explosifs ou des jeux réduits pendant 5 minutes avant de reprendre le match. Donc زاد كيف كيف نطلب زاد من الانترينور انه لي 15 مينوت هذوك ما يخلي منهم لي 5 ديرنيير مينوت باش الملاعبيه يلقاو الوقت باش يدخلوا يعاودوا يمسوا شويه كره يعاودوا يتحركوا. هذايا الكل لي استراتيجي الكل تاع البوست ايشوفمون تاع الغي ايشوفمون اون تيتي اسوسيي ا اون ميور بيرفورمانس اكسبلوزيف بارابور ا 15 مينوت دو ريبو باسيف. دونك البوست ايشوفمون يعاونك في الريدكسيون des blessures, ou il y a une performance explosive, kif kif,
Le rééchauffement à la mi-temps, il est associé à une amélioration de la performance explosive par rapport au match qui est à 15 minutes où il est à Donc, je vais parler des méthodes préventives stratégiques. Je vais parler des méthodes préventives physiques. Okay. Donc, je vais parler des méthodes préventives stratégiques. Je vais parler comme les méthodes préventives physiques que les chauffeurs. Je vais les sprints, je vais le renforcement excentrique, je vais le travail fonctionnel, je vais l'échauffement. Donc, je vais parler des méthodes préventives stratégiques. Je vais parler du contrôle de la charge d'entraînement. Je vais parler de la charge d'entraînement, je vais parler de la fréquence, volume et intensité des entraînements. Ou bien je vais parler de la stratégie d'affûtage. Et vous, Mazou, ils sont considérés comme des moyens préventifs stratégiques. Qui n'a qu'à la charge d'entraînement, donc n'a qu'à la fréquence ou le volume. Et c'est une des meilleures études que j'apprécie énormément. Khajet en 2020, Mazel Khajet par Extran. Allez, étude très intéressante. Ce sont donc les données médicales et d'entraînement de 44 clubs UEFA qui ont été analysés sur 15 années. Interview 44 nadi ينتمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم تبعوهم sur 15 années. Donc بداو معاهم من 2005 وهم يتبعوا فيهم et les résultats de l'étude هذه خرجوا توا en 2020 مازالوا كي خرجوا par rapport à la chnoua, à la prévention des blessures ou la relation entre fréquence et volume. Le principal résultat de cette étude, c'est l'importance de la pré-saison, l'importance de la préparation physique estivale, l'équivalent de championnat. Donc, un plus grand nombre de séances d'entraînement durant la pré-saison est associé à une moindre prévalence des blessures pour 4 des 5 paramètres évalués. En estimant l'effet de 10 séances d'entraînement supplémentaires, qui amènent les statistiques à l'arbre ou au niveau de la préparation physique estivale, à la pré-saison. Une équipe, il va rendre 10 séances d'entraînement supplémentaires. Mathalan, 6 semaines mathalan, de préparation physique. Ou l'équipe, l'autre, plus de 7 semaines. Mathalan, 7 semaines et demie. Il y a 10 séances. L'équipe, il va 10 séances de plus. Le fardeau des blessures pendant la saison est inférieur de 22 jours. Disponibilité par 1000 heures de pratique. Donc, qui t'amène à 10 séances Zaydin par rapport à l'équipe l'autre, avec 22 jours d'indisponibilité à Khal. Il y a l'indisponibilité, il y a les joueurs qui ont fait le Aïed ou qui ont fait le Matbib ou le Malkini. À la 1000 heures de pratique, okay, durant toute la saison, un tirbacht d'indisponibilité. Ou une blessure sévère, narkio sévère, narkio à la ligament croisé, narkio à l'arrachement ou à la déchirure troisième degré, une blessure sévère est évitée toutes les 5000 heures de pratique. La participation aux entraînements est de 1,4% plus élevée et la disponibilité des joueurs durant la saison est légèrement donc plus élevée. La conclusion, par l'étude heavy à l'ISAR, par la 15 ans, même si d'autres facteurs influence clairement le risque de blessure, qui met les facteurs de l'alcool. Les équipes qui réalisent un plus grand nombre d'entraînements durant la pré-saison se blessent généralement moins. Et via la conclusion par l'étude, les équipes les au niveau de la fréquence et par la suite du volume des entraînements ont un risque de blessure moindre que les autres équipes. Donc, la charge d'entraînement, le contrôle de la charge d'entraînement, on a la fréquence, on a le volume, et on a l'intensité. Si les blessures de surcharge sont des erreurs d'entraînement, on a dit que l'overload ou la surcharge, ce sont des erreurs d'entraînement. Devrait-on dire la même chose du sous-entraînement? Alors, ce qui est sous-entraînement, c'est des entraînements.
Sous-entraînement, c'est le fait de s'entraîner à la moyenne, au niveau moyen du match ou inférieur. S'entraîner en fonction des exigences moyennes du match, il va t'entraîner à les efforts que tu as fait dans le match. En termes d'intensité. En termes d'intensité. بنفس الانتنسيتي ديما بنفس الانتنسيتي اللي هما يترينيو بها اللي يلعبوا بها في الماتش اوكي اش باش يصير هذاك يتسمى ان سوز انترينمون دونك سونتريني ان فونكسيون دي زيكزيجونس موين دو ماتش نو بو كوندوير كا فورمي دي جوور انسوفيزامون بريباري بور سو كونفرونتي او فاز دو ماتش لي بلو ايبروفون كما تشوفوا فما لهنا الكورب مصورة عندكم لهنا وفما باش نعدي انا بالفليش بتاعي دونك لهنا فما الانتر سيزون وقت اللي فترة التوقف بين سيزون وسيزون الملاعب باش يبدا مرتاح ومن بعد فما لا فاز دو ريابيليتاسيون الانتنسيتي بتاعها دونك تكون زاده كيف كيف ماهيش قويه نحكيو على بريباراسيون فيزيك جينيرال ومن بعد تطلع الانتنسيتي كي ندخلوا في ترافاي سبيسيفيك وفي البريباراسيون فيزيك سبيسيفيك والا في البيريود كومبيتيتيف لي سيونس تكنيك يطلعوا ومن بعد في او نيفو دو ترافاي فيزيك و ترافاي لي باش يعطيه البريباراتور فيزيك اون جينيرال باش يعطي دي سيونس دو بي ام ا وباش يعطي دي سيونس دو فيتيس اللي ان جينيرال الانتنسيتي بتاعهم تكون كيما الماتش والا اقل شويه لكن نكونوا في الحاله هذيك ما خديناش بعين الاعتبار لي سيكونس بلوز انتنس او كور دو ماتش نجم انت وسط الماتش تجيك اون فاز دو كونتر اتاك والا اون فاز انت باش ترجع باش تعمل لو روتلي ديفونسيف بتاعك مثلا وباش تطلب من الملاعبيه بتاعك انهم باش يجريو ا دي فيتيس سوبيريور اللي انت مستانس تعطي لهم فيهم في لونترينمون والا يفون افكتوي دي سبرينت ريبيتي بور فير مثلا ان بريسينغ بوندون مثلا 2 3 مينوت ولا 1 مينوت ولا حتى 1 مينوت 30 مثلا في اخر ربع ساعه تاع الماتش اوكي باش يلقى روحه الملاعبي يعمل في دي سيكونس انتنس ماهوش مستانس عليهم دونك او نيفو دو لانتنسيتي il faut s'entraîner plus dur et avec plus de finesse دونك تنجم الفوليوم تاعك ما يكونش كبير برشا Mais il faut incorporer dans les séances d'entraînement internes des séquences dont l'intensité est supérieure à la normale et supérieure à la moyenne du match, au moins une fois par semaine. Bien sûr, c'est une étude de Gabet et Hall publiée en 2016. La deuxième méthode préventive stratégique, elle est l'affûtage. Qu'est-ce que l'affûtage? L'affûtage est une baisse progressive, non linéaire, de la charge d'entraînement. Tout à le début de la conférence interne, la variation brusque de la charge d'entraînement, qui taille la charge brutalement, يصيروا لي بليسور مش كان كيف تطلعها بروتالمون حتى كي تطيحها بروتالمون دونك اذا انت ناوي تعمل افوتاج دونك il ne doit pas être linéaire mais progressif durant une période de temps ajustable ayant un objectif de réduire le stress physiologique et psychologique de l'entraînement pour optimiser la performance sportive en compétition شنو هما لي استراتيجي دافوتاج bien sûr كي نحكيو charge d'entraînement Je n'ai qu'à l'intensité. Il est recommandé de maintenir l'intensité durant l'affûtage. Je n'ai qu'à la fréquence d'entraînement. Il ne semble pas profitable de réduire le nombre d'entraînements habituels durant l'affûtage. Donc, je n'ai pas l'affûtage. Je n'ai pas l'affûtage. Je n'ai pas deux séances. Ou la deux séances. Mais le changement, tu réduis la fréquence ou le nombre de séances d'entraînement. Je n'ai pas l'affûtage. Par contre, نجم تلعب على الفوليوم دونك لو فوليوم دونترينمون لي غان دو بيرفورمانس لي بلو غران سون جينيرالمون اوبسيرفي لورسكو لا بيس دو فوليوم اتان 40 ا 60% دونك لازمك تو ريدوي لو فوليوم دونترينمون تاعك نقولو فوليوم دونترينمون نقولو دوري دي زونترينمون تاعنا اوكي دونك انت او بريالابل باش تحسب لا موين
des séances تاعك دي ميكرو سيكل تاعك durant la phase de préparation durant la phase de kick ou كي باش تدخل في الفاز دافوتاج tu vas baisser le volume de 40 à 60% ما تجيش في السيمانه دافوتاج تاعك في البيريود دو بري كومبيتيسيون تعمل une diminution de 60% du volume كي نستنسين يعمل une moyenne de 75 ولا de 80 minutes ولا de 90 minutes en moyenne تجي تولي باش تعطيهم 40 ou 45 minutes donc séance الاولى تكون اقل ب 40% تمشي وتطيح في الفوليوم حتى 60% مي tu dois garder l'intensité elle doit rester élevée et la fréquence des entraînements doit rester identique. بالنسبه للدوريه تاع لافوتاج اي في bien sûr كلنا نعرفوا entre 8 à 14 jours constitue généralement le meilleur compromis pour réduire le niveau de fatigue tout en évitant de se désentraîner. قولوا لي علاش نحكيوا على لافوتاج احنا السوجي تاعنا هي لا ريدكسيون لا بريفونسيون دي بليسور بالطبيعه وحكينا من بكري قلنا اللي plus on a des qualités physiques développées au niveau de la force et au niveau de l'endurance, plus ces qualités sont développées, moins on a de risques de se blesser. Donc l'affûtage, c'est un moyen بشي يطلع لنا ويقوي لنا ويحسن لنا في لي كاليتي فيزيك تاعنا دونك افورسري اوتوماتيكمون لو ريسك دو بليسور باش يطيح دايور هذه هاي ايتود جديده جديده مازالت كي خرجت تعملت ان 2020 سي لا سول ايتود كي ايتودي هي سو ني با اون ايتود سي ان c'est une kfishpolora c'est une revue de la littérature معناتها جمعوا 13 études scientifiques qui ont été analysés. Mantevé, Vachon et Hall, en 2020, chez vous, je nomme les études, les manjoudines, les sports collectifs et l'affûtage, ou Hatton fait études, Wahda. Donc, je ne chauffe qui fait l'affûtage significativement, il améliore nos qualités physiques et donc automatiquement, il va nous aider à réduire les blessures musculaires. Donc, Wahda les Bishtam, un affûtage, bien individualisé ou bien contrôlé, نلقاو اللي la force maximale تشوفوا لهنا في الاخضر في الشيما الاخضر donc a un petit effet à limite تشوفوا في الفليش petit effet effet modéré grand ou très grand effet grand, ok. بالنسبة للفورس sous maximale, les gains sont très grands. Hein, force maximale sous maximale, تاعك اللي هي كي نحكيو force sous maximale, نحكيو explosivité, باش تتحسن برشا. La puissance maximale, le gain il est modéré. Le changement de direction, le gain il est modéré. بالنسبة للendurance, le VO2 peak, un gain grand. Ou bien sûr, les capacités à répéter les sprints, le gain composition d'un facteur ou un autre, d'une force ou de puissance ou de VO2 ou de capacité à répéter les sprints. التحسن متفاوت حسب كل مكون. Bon, il y a une séance, un exemple de séance تاع prévention تاع l'équipe de France, ça on est scolaire parfois. Donc c'est juste maintenant un petit rappel qui fait que je vous parle. On a parlé théorique, on fait un choix donc pratique. Donc on va mettre comme saut. Est-ce que vous voulez que je le fasse ou c'est pas la peine? Okay. Donc, quand on a comme description, mais l'autre.
دونك اذا خذينا ان اكزومبل تاع ليكيب دو فرانس ان 2018 وقت اللي هما ديجا في روسيا قاعدين يحضروا قاعدين يلعبوا دونك في لي ماتش تاعهم ولا جو كرو لي ان فاز بريباراتوار معناتها جوست قبل ما تبدا الكوب دو موند كيما شفتوا سي سورتو سيتي سورتو اكسي معناتها الكونتوني تاع السيونس اكسي على الترافاي فونكسيونيل au travail de proprioception, donc tout ce qui est travail fonctionnel. Enfin, au même moment, il y avait l'équipe nationale du Brésil, elle est plutôt vers, elle est plutôt axée à le travail de renforcement. Donc, il y a donc l'équipe nationale du Brésil. Je trouve que j'ai utilisé des charges beaucoup plus élevées. Donc, je trouve que l'équipe nationale de France a fait un travail excentrique avec les Swiss Balls, ou fait un travail de gainage, ou travail de proprioception. L'équipe nationale de Brésil, je trouve plutôt vers du gainage dynamique, implémenté par du renforcement excentrique-concentrique. Donc, voilà, il y avait un renforcement unilatéral. Donc, en fait, tu as un travail de renforcement, mais c'est du travail fonctionnel, c'est du gainage dynamique. Quand tu lis unilatéralement, c'est du gainage dynamique. Sauf que charge c'est pour prévenir les blessures. Donc, dis maintenant, les Brésiliens, ils ont une force, un travail excentrique, donc soulever terre. Les fentes avant, voilà. Là, on va parler du dernier volet, le dernier volet de l'intervention interne. On va parler des stratégies de récupération. Donc, chauffe-na les causes des blessures. Chauffe-na les méthodes de prévention. OK, chauffe-na les méthodes de prévention physique, chauffe-na les méthodes de prévention stratégique. On a fait le tour, je crois. Tu as les stratégies de récupération. Qui m'a allé on a parlé les stratégies de récupération. Qui m'a chauffe-na puis le modèle nous les mésocycles compressés. Chauffe-na l'étude de l'Armelha Dupont Celtic Glasgow. Qui fait le nombre de blessures au Hortel et Kounouan à deux matchs par semaine, comparé à un seul match par semaine, le nombre de blessures, il est énorme, la différence elle est flagrante. Donc, la première chose que je vais parler, c'est la périodisation des stratégies de récupération. Qui m'a chauffé un peu, la planification de la prévention, c'est qu'il faut périodiser et planifier les stratégies de récupération. Allez, à la khater, les besoins individuels, quand tu veux mettre un travail de récupération, ou tu veux un programme nutritionnel de récupération, ou tu veux faire des séances de décrassage, ou de régénération, il faut prendre en compte les besoins individuels, avec Allez, il faut les planifier. Fait la phase de préparation générale, la récupération, elle diffère de la préparation physique spécifique. Donc, il y a une stratégie de récupération, le travail physique général, mortelif à la stratégie. Il y a une phase de préparation spécifique. Ou tu fais la phase compétitive. Tu fais les femmes à les voyages. وقتلي باش تسافر فما لي ديبلاسمون تاعك سورتو اذا يكونوا متعبين زاد كيف كيف لازم tu dois mettre en place des protocoles de récupération spécifiques surtout durant les déplacements pour réduire donc la fatigue accumulée notamment à l'approche des compétitions زاد كيف كيف لازم تاخذ بعين الاعتبار l'historique médical كيما حكينا عليه بكري ou les anciennes blessures, les sportifs concernés par un plus grand risque de blessure en raison de leurs antécédents ou du sport qu'ils pratiquent sont susceptibles de bénéficier de stratégies de récupération additionnées. En tant que tu fais le décrassage ou la régénération,
الملاعبي اللي عمره 34 و35 سنه ماكش باش تتعامل معاه، ماكش باش تعطيه نفس البروجرام كو ملاعبي عمره 18 سنه ولا 19 سنه. جوار يعاني من لي بليسيغ كرونيك ماكش باش تعامله كيما ملاعبي اللي ما عندوش مشكله او نيفو معناتها فيزيك ولا مسكولير. دونك كيما قلت لكم زاد كيف كيف الفاز دو بريباراسيون فيزيك جينيرال تفرق على سبيسيفيك، تفرق على الفاز كومبيتيتيف. اي لي كرويونس، شنو هما لي كرويونس؟ نقصدو بالكرويونس اللي دو نومبرو سبورتيف رابورت اون ميور سونساسيون دو ريكوبيراسيون اي دي كورباتور موانز انتونس غراس ا سيرتين ميثود دو ريكوبيراسيون. يعني اللي عندهم ساعات ملاعبية طقوس خاصة بهم، فما ملاعب يقول لك أنا ما نحبش مساج مثلا دو جور قبل الماتش ولا تخوا جور قبل، ما يحبش يعمل مساج. وإلا ملاعب يجيك يقول لك أنا أخويا بعد الماتش مستحيل نعمل لك مساج. ساشون كنت تعرف اللي عندهم اللي المساج مثلا عنده إن انسيدانس بوزيتيف هو إلى إن كرويانس اللي لي. دونك أنت le plus important c'est que le joueur se sente bien. Même si la méthode de Pierre elle n'est pas scientifiquement prouvée, il est important de prendre en compte ses croyances qui peuvent s'avérer très puissantes. Là, je me connais un des effets importants. Quand tu sais, par exemple, que tu as un balle de glace sur le plan scientifique, il est avéré. Ainsi que l'immersion en eau froide, elle est bénéfique. Le joueur dit que quand tu fais le bain de glace, là, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps. Tu dois prendre ça en compte. Donc, la première stratégie que je vais vous parler, c'est la nutrition ou l'hydratation. Je vais vous donner un plan qui a été rapporté donc, par Rankodas Dawson en 2017, un plan nutritionnel pour bien récupérer après un match de football. Je vais vous timeline la stratégie nutritionnelle et hydratative, ok, ملي الملاعب يكمل الماتش تاعو immédiatement après le match, تشوفوا الفليش تاعي, jusqu'au coucher. Donc immédiatement après le match, الملاعب ننصحوه باش ياخذ une boisson de récupération تكون فيها 40 grammes de whey protéines plus 60 grammes de sucre, donc une boisson à index glycémique élevé. Consommer des glucides sur le terrain et sur le trajet jusqu'au vestiaire. Quand tu as le match, tu as le vestiaire, tu as le vestiaire, tu as le vestiaire, tu as la boisson heavy protéinée avec un index glycémique élevé. Ensuite, 30 à 60 minutes après le match, tu as le vestiaire, tu as le vestiaire, tu ياخذ ان سناك يكون فيه اون موين 60 غرام دو غلوسيد، اكزومبل مورسو دو باتات دوس. اون جينيرال في لي كلوب دو نيفو يعطيوهم لهم في الفيستير، يبدا مازال في الفيستير مازال ما روحش يعطيه السناك نتاعو ياخذو معاه. دوران لي 3 اور بوست ماتش، في الثلاثه سوايع اللي يجيو بعد الماتش، دونك كو سوسوا في الطياره باش يسافر والا في الكار باش يسافر والا رجع للوتيل وباش يتعشى، دونك ياخذ لو روبا برانسيبال يكون متكون 40 غرام دو بروتيين لونت بلس 30 غرام دو سكر. اوكي هكا فما لي زيكزومبل ريزوتو او بولي او شامبينيون ياورت كريك ديسير ا باز دو فروي. هكا عندكم المنيو حاضر. 6 اور ابخي لو ماتش اذا الملاعب معناتها تلقاه مازال ما رقدش وعدى 6 سوايع بعد الماتش il faut qu'il prenne donc une collation تتكون من 40 غرام دو بروتيين لونت. كي نقولوا بروتيين لونت بيان سور نحكيو على الكازيين بلس 30 غرام دو سكر، دونك اندكس غليسيميك با، اكزومبل فروماج بلون افيك كيلكو بيسكوي، كازيين ميلونجي افيك دي فروي روج اي دو بلي. من بعد يعمل دونك او كوشي يشرب اون بواسون دو ريكوبيراسيون، دونك ان غران فير دو جو دو سيريز ولا جو دو l'antioxydant et donc par le chasmo betterave mafalan donc ou yorqod hedaya. Donc c'est un menu معناتها حاضر تاع اللاعب ملي يكمل الماتش تاعو لين يروح يرقد sur le plan nutrition et hydratation. Donc باش نحكيو على الكاليتي نوتريسيونيل في استراتيجي تاعنا. فما étude صارت في en 2016
gerbent en fait à la 340 adolescents sportifs de haut niveau. Pendant leur année scolaire, gerbent un groupe, un régime à base de fruits, okay, ou groupe un régime à base de légumes, ou un groupe un régime à base de poissons. Je n'ai qu'une question sur la qualité, sur le mec qui nous a demandé de jouer avec nous de cette manière. Bel هذه atteints معناتها qui ont eu des blessures ou bel ahmar qui n'ont pas eu donc de blessures durant l'année sportive de Tehamon. Donc c'est un échantillon représentatif puisque nous avons là 340 adolescents sportifs de haut niveau. OK? Donc هذه بالنسبة للي فروي هذه بالنسبة للي ليغوم شوفوا وقت اللي يعمل ان ريجيم ا باز دو ليغوم لو ريسك دو بليسيور يبدا ينقص. Ou kif-kif, un régime alimentaire à base de poissons, donc de protéines et d'oméga-3, le risque de blessures est à terre kif-kif. Donc, imaginons, il y a quelqu'un qui a fait un métier dans le monde. Il y a un artiste ou le diététicien qui a fait l'équipe, le nutritionniste qui a fait l'aide ou le montage interne, il a fait le tout au long de l'année ou tout au long du stage. Un régime alimentaire équilibré à base de fruits, légumes et poissons. Nalqaou elli, diminution du risque est de 64%. Chouf ou lahnem lota, moins 64%. Suivre les recommandations nutritionnelles réduit le risque de blessure de 64%. Yani, li hkina ali ahna bakri, tout ce qui est stratégie physique, ou stratégie ou moyen stratégique, moyen physique de prévenir, il suffit d'avoir une bonne alimentation, le risque de blessure est à 64%. 8 heures de sommeil par nuit en semaine, yaounek. باش تنقص في نسبة الإصابات ب 61%. Dormir plus de 8 heures par nuit en semaine est associé à une baisse de 61% du risque de se blesser. معناتها تخيلوا إذا ما عندكمش possibilité باش تعملوا مثلا des interventions physiques هذوك الكل ولا ما فماش ماتيريال متاح، جوست لو فيت إذا الجوريت بتاعك مثقفين واعيين فيما يخص النوتريسيون والسومي بتاعهم. Donc, vous pouvez réduire maintenant plus de 60% le risque de blessure. Il y a Zedakif-Kif, étude SART en 2014, la relation entre heures de sommeil et blessure. L'alerte les sportifs qui dorment en moyenne moins de 8 heures. Okay? Les sportifs, ils ont 1,7 fois plus de risque de se blesser que ceux qui dorment de 8 heures à plus. Et donc, c'est des études scientifiques établies. L'hygiène de vie, la nutrition équilibrée, 8 heures de sommeil par nuit, la réduction de 65% du risque de blessure. L'ochrine, les 35% li yqadou najmou nkamlouhom بالproprioception ou nkamlouhom بالtravail معناتها تاع la charge d'entraînement ou le travail de sprint ou le travail de renforcement. Mais la meilleure stratégie est stratégie تاع l'hygiène de vie, kankoulou hygiène de vie, kankoulou nutrition de qualité et sommeil de qualité. C'est d'amour yqad 8 soir. مثلا من يرقد الستة تاع الصباح واحد معناتها نحكيو السومي تاع الليل. لي سوان و ليدروثيرابي اون دوا اوسي لي انكلور في الاستراتيجي دو ريكوبيراسيون تاعنا. عندنا الكريوثيرابي كي تطلب من الملاعب تاعك باش تدخل دون اون شامب كريوجينيك ان موان 110 دوغري بوندون 2-3 مينوت. لي بان فخوا, l'immersion en bain froid à une température inférieure de 15 degrés Celsius avec une durée de 15 minutes. Les bains chauds à une température supérieure à 42 degrés Celsius pendant 15 minutes. Le contraste dans les bains froids chauds, le bain froid et le bain chaud, 5 fois pendant 2 minutes, donc 2 minutes bain froid, on parle d'état de 2 minutes bain chaud. 2 minutes froid, 2 minutes chaud, 5 fois, tel col 10 minutes, les massages et le foam roller, tout ce qui est compression musculaire.
Donc, Edouma, c'est des soins qu'on doit inclure dans la stratégie terme. La stratégie kif-kif de récupération terme, c'est la régénération biologique et physiologique. Les types de training, على الشارج اللي باش تعطيها وقداش تستحق راحة معناتها ليفي دو سور كومبونساسيون وليفي معناتها تاع الديسباريسيون معناتها دي زيفي نيجاتيف تاع لونترينمون اللي انت عطيته دونك شارج تاع الماتش نعرفوا اللي هي تتنحى تنجم تقعد 72 ساعه باش تتنحى بارفوا في دي ماتش دان انجو تري غران اي ا تري اوت انتنسيتي نجمو يوصلوا يقعدوا جوارات تعبين حتى ال 96 ساعه 96 ساعه مي لا موين معناتها انت 48 اي 72 ساعه هذايا داخل في الريجينيراسيون بيولوجيك اي فيزيولوجيك لازم تعرف معناتها انت بعد الماتش لامبورتونس تاع السيونس جي بلس 1 والسيونس تاع جي بلس 2 اي ميم لا سيونس تاع جي بلس 3 مادام إلى إتي إتابلي كو لا شارج تاع الماتش تقعد في الساقين جوسكا 72 أور. لوندورونس كاباسيتي دونك دو 24 أ 30 أور. لوندورونس بويسونس دو 40 أ 48 أور. دونك لازم تعرف وقتاش تحطهم وقتاش تحط سيونس تاعك تاع الكاباسيتي وقتاش تحط سيونس تاع البويسونس. الفيتيس أنايروبي ألاكتيك 24 أور. الفيتيس أنايروبي لاكتيك دو 48 أ 72 أور. لا فورس مسكولير ماكسيمال تقعد في البدن 40 à 48 heures ou force vitesse explosive تقعد de 24 à 36 heures donc trace تاعها تقعد في البدن حتى ل 36 ساعة donc il faut bien savoir construire le microcycle تاعك et bien agencer les séances régénération مازلنا في régénération biologique et physiologique مازلنا في نفس الموضوع routine de récupération après match donc شفنا بكري routine de récupération après match au niveau donc nutritionnel hydrationnel tu as observé ou choisi à l'entraînement donc immédiatement après le match qui marque une hydratation avec 1,3 litre d'eau par kilo perdu durant les 6 heures suivant le match donc quand marcel kilo est au match là faut les équipes de haut niveau dobama le لاعبي يكملوا الماتش تاعهم الكيني ياخذ لهم البوا تاعهم باش يعرف كل واحد نوتريسيونيست قداش يعطيه mais au cas d'échelle minimum je remets donc par kilo perdu un litre d'eau pendant 6 heures immersion en eau froide température inférieure à 10 degrés pendant 10 minutes rien à dire immédiatement après le match hein. Contraste froid chaud pendant 2 fois 5 minutes il y a un bain froid ou chaud nutrition riche en protéines et carbohydrates qui m'a chauffé sommeil supérieur à 8 heures. Donc, الكل الملاعبي مطلوب انه يكون به immédiatement après le match. من بعد, le jour suivant le match, كيف يجي الملاعبي باش يعمل la séance de régénération et de récupération active. أول حاجة يعمل 10 minutes de foam roller, le foam roller تاع compression donc, musculaire, 15 minutes vélo, 15 minutes étirement actif, 15 minutes jeu technique, comme le tennis ballon ou bien l'aquagym. C'est le jour après le match. Ou bien sûr, si nécessaire, le massage. Des exemples par l'équipe nationale anglaise Espoir, ok, qui fait Yamlo J plus 1, donc la veille, Keno Lerbi match, Tawab Shiji ou Psyamlo, une séance de récupération, donc avec le foam roller, Psyamlo, la compression musculaire, les étirements. Dynamique et actif. Ok. Et vous, le vélo. Donc, de préférence, tiens, le bar dans 15 minutes de vélo. Les étirements dynamiques. Donc, bien sûr, c'est dirigé l'année par le kiné, le physiothérapeute
par l'équipe nationale anglaise U21. Donc, c'est des mouvements dynamiques sur la piscine. Je tire la vasodilatation, la vasoconstriction au niveau donc, des muscles. Hop, on va faire l'immersion, donc l'eau froide ou l'eau chaude. Donc le contraste bien le bain froid ou le bain chaud. Et bien, j'ai un titre comme un micro-cycle type à deux matchs par semaine. Comment gérer ou comment planifier le micro-cycle MTI par rapport à les joueurs titulaires et les joueurs remplaçants. Ok, donc deux matchs par semaine. On a un chouf l'année et le match. Donc l'année, l'arbre le match est on va en le match هذا hop et le match suivant. OK. Donc le four l'année, le programme ta les joueurs titulaires ou l'autre l'année, le programme ta les joueurs remplaçants. OK. Donc on a l'année jour du match, donc l'année les titulaires surtout et d'affaire un déplacement les remplaçants ils n'auront pas la possibilité de s'entraîner. Donc je l'assure l'année repos. Ou bien pour les titulaires, jour de match. Donc, jour J plus 1, n'har bad le match. Mais n'har raha j'y ou yamlo un jour de récupération. Donc, une séance qui m'a chauffé à faire les stratégies, les hakin alayha l'alcool. Ok, benesba les titulaires. Taht menha, benesba les remplaçants. Donc, j'yamlo une séance d'endurance type 1 et 2, c'est-à-dire. Un travail à haute vitesse, fille 4 contre 4 avec gardien de but, ou fille un travail de jeu réduit de 6 contre 6 possession sans gardien de but. Ok, donc c'est un travail qui va demander beaucoup d'efforts. Donc, groupe titulaire, yaml, récupération. Ou le groupe tar les remplaçants, chiamlo une séance physique à dominante aérobie. Ok, nhar feni, li houa en même temps J plus 2 ou en même temps J moins 1. En même temps, jina jour avant match. Ok, donc les titulaires, chiamlo un travail d'activation et un travail de 10 contre 10, معناتها خدمه باش تكون تكتيك عند لونترينور وبالنسبه للبريباراتور فيزيك نقول 10 contre 10 مش تقسيمه معناتها على تيرا كامل لا باش ينجم يكون ترافاي ابلون ينجم يكون ان ترافاي معناتها حتى بالمشي ولا انتروتينمون جوست معناتها سي ان ترافاي تكتيك بالنسبه للبريباراتور فيزيك باش تكون خدمته اكثريتها كلها ترافاي داكتيفاسيون على خاطرنا احنا وقتها ا جي موانز 1 الماتش الثاني. اوكي okay. بالنسبه للي رامبلاسون مانيش باش نطلبوا منهم يعملوا حتى شيء زايد علاش على خاطر سي لا في دو ماتش دونك اون سي با بيتيتر كيل فا يافوار اون بليسور عند لي جوور تيتولير دونك اون فا دوموندي ا لان دي جوور معناتها رامبلاسون تانتيغري ليكيب دونك ناخذوا حذرنا واللي رامبلاسون في الفي دو ماتش دونك ما نعطيهم حتى شارج زايده نهار الماتش من بعد دونك جور جي l'équipe des titulaires pour faire le match, l'équipe des remplaçants, سامحوني. Donc l'équipe des remplaçants pour chibdeu mrtahin. Ensuite, J plus 1, l'équipe des titulaires pour faire un travail de récupération et de régénération. Par contre, là, les remplaçants, je vais vous aller un choix. Allez, les remplaçants, surtout, ils ont deux matchs mal arbouhanch. Donc, les mal arbouch le match précédent ou les mal arbouch les qablo. Ou le match G, il est à J plus 3. Donc, on a le temps. Donc, on va faire un travail physique type 4, معناتها un travail moteur proche. Donc, Chikun fi, bien sûr, les jeux réduits, 6 contre 6 ou 4 contre 4, 6 contre 6, possession sans gardien de but, 4 contre 4, possession avec gardien de but, et une séance de hit courte, séance d'intermittent courte. Donc, à quelqu'un qui nous massine le côté aérobie, le côté neuromusculaire et le côté anaérobie lactique. Donc, on a massiné au moins le niveau physique par les remplaçants. Donc, on a un jour off,
Okay, donc عملوا لي تيتولير ماتش جور دو ريكوبيراسيون راحه لي رومبلاسون كيف كيف ياخذوا الراحه تاعهم ومن بعد نعاودوا نرجعوا جي موانز ان جور دافون ماتش كيف كيف لي تيتولير اي لي رومبلاسون معناتها بارتيسيب على لا ميم سيونس ذا ان اكزومبل اذا يكونوا عندنا معناتها دو ماتش بار سيمين. ميرسي دونك دو فوتر اتونسيون كون كملت نحلوا الباب للديسكسيون دونك تفضل خويا ثابت.